Bonjour. 9 jours, 9 jours de repos. J'ai repris hier soir, à vrai dire, parce que quand je me suis rendu compte que c'était un quinté en plat, un parcours coulant, j'interviens. Il y en a peu dans l'année. Et sur les parcours coulants, je sais ce qu'il faut faire. L'année dernière, Julien avait touché le quartier ordre. Si il pourra m'envoyer un petit mail, je me rappelle plus s'il avait eu dans l'ordre, dans le désordre. Il y en a 4 ou 5 dans l'année. Il faut pas les louper. Donc je suis même allé acheter le turf. Regardez, pourtant j'ai la version numérique. J'ai la version numérique parce que j'achète la version numérique et j'ai acheté le turf aussi. Vous voyez? Voilà. Pour avoir la vision globale. Pour tout de suite aller où il faut. Voilà. J'ai travaillé une demi-heure la course hier et de ma quintessence, j'en ai tiré trois. Enfin, de ma quintessence. Du papier que j'ai fait, j'en ai trouvé trois, alors qu'au départ, j'en avais trouvé que deux. C'est ça qui m'embête, parce que j'aurais pu en donner que deux, et les deux à l'arrivée, oui, le couplet placé fait 15 ou 18 euros, mais ça n'a intéressé personne. Je ne vais pas recommencer à dire que personne ne veut gagner, parce que bon, tout le monde rigole avec ça. Quand je dis ça à ceux que je regarde dans les PMU, ils se marrent. Mais ils veulent pas gagner. J'ai rien reçu encore, c'est 17h35, c'est-à-dire 4 heures après la course. Donc j'ai mis l'arrivée, mythique ces cordes 1 et 2 à Châteaubriant, voire passer. Ben oui, pourquoi j'ai donné le 9 et le 16? En plus, je tombais sur le 9 et le 16 en faisant le papier, sans voir que c'était la corde 1 et 2. Et quand j'ai vu le passé de la course, ben vous l'avez tous vu, hein, parce que vous êtes des spécialistes maintenant, hein, quand vous m'écoutez. Hein. Corde 1, 2, deuxième et troisième, en 2018, en 2017, corde 2 et 1, première et cinquième. En 2016, le quinté dans les 8 premiers à la corde. Corde 1 et 2 encore à l'arrivée. Donc ça fait 4 fois, et là en 2015, il n'y avait que la corde 1 à l'arrivée. Corde 1, 100% de réussite. Ah ben sur les petits anneaux, on sait comment il faut faire le papier. Quatrième fois d'affilée qu'il y a les cordes 1 et 2 à l'arrivée. Du jamais vu. Donc j'ai mis l'arrivée, mythique c'est corde 1 et 2 à voir passer, enfin voilà quoi. Hier quand je suis intervenu, j'ai mis donc le tableau des partants, le pronostic de Paris Turf, voilà leur rubrique repérée pour vous. C'est pratiquement chaque fois un système d'élimination tous les chevaux là. Voilà, moi je mets ça pour décorer, j'ai mis le passé. Et voilà, un petit texte, pas plus. Hein. J'interviens quand c'est un parcours coulant et ils sont rares dans l'année. Il faut privilégier les candidatures des chevaux qui vont vers l'avant, et s'ils sont affublés d'une corde intérieure, c'est encore mieux. Et vous rendez compte que la corde 1 et 2, c'était deux des rares chevaux qui allaient devant. Ne vous étonnez pas qu'ils soient à l'arrivée. Hein. Les cordes 1 et 2, c'était les numéros 9 et 16. Hein. Le passé le démontre, grosse suprématie des cordes intérieures. Morzandis, c'est le grand spécialiste de cette épreuve, à vérité des cordes 1 et 2 aussi. Ben voilà. Voilà, on a vu dans le passé. Il est où le passé déjà? Oui, Morzandis. Deuxième corde 1 en 2018 et premier en 2017 corde 2. Et là, il avait la corde 14 cette fois et en plus, il n'avait pas couru depuis la fin du mois de mai. On pouvait carrément l'éliminer, mais je l'ai laissé dans les sous-bases, moi. Voilà, c'est le grand spécialiste, avait hérité des cordes 1 et 2, cette fois la 14. Je ne ferai pas de pronostic, mais j'aime surtout les candidatures des numéros 3, 9 et 16. Voilà, ça c'est quand j'ai fait le papier hier. J'ai entouré les trois bases de la course. Parce que le 3, je le sentais bien, il n'y avait que deux courses dans les jambes, son entraîneur était confiant. L'année dernière, il avait fait des perfs en allant de bout en bout. Il avait seulement un peu une corde extérieure, lui, la 8. Voilà, mais sinon, je voyais 9 et 16. 15,50 € ou 18 contre 1. 3 chevaux, c'est comme si j'avais donné un 18 contre 1, là. Et ça n'a intéressé personne, comme d'habitude. J'aurais toujours dit que quand je reviens sur ma fraîcheur, ça frappe le premier jour. Mais je peux le répéter un milliard de fois, ça rentre pas. La pulpe bétonnée, quand elle est bétonnée, elle s'assouplit plus. Hein. C'est terminé. Hein. Alors, dans les sous-bases, j'en avais mis 8. J'ai mis des gros tocards, parce que j'ai des entraînements, des cordes un peu extérieures qui étaient confiants, comme Riquet, il était confiant, Cédric Boutin. Le 15, ça me plaisait bien au papier aussi. Parce que le 15, si vous faites le papier, il barre le 4. Hein, et c'est le 4 qui a gagné. Ouais, mais c'est Alexandre Roussel aussi. Dans l'Ouest, c'est un phénomène. Il est chez lui, lui. Il respire chaque brindille d'herbe. Faut faire attention à des jockeys comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas mis à la Covia parce qu'elle avait la corde 15. Là, c'est mon erreur parce que j'aurais dû la rajouter dans mon 3 plus au quinté. Et j'aurais pris des beaux bonus 4 à 54 euros. Hein.
Bon, j'ai un peu envoyé pour mon retour, c'est vrai. J'ai pratiquement pas joué pendant les 9 jours. Et heureusement que je me suis arrêté ces 9 jours. Hein. Parce qu'il y avait strictement rien. Qui c'est cette pétasse qui m'écrit là? C'est pas vrai, ça recommence encore au moment où j'enregistre. Ah merde, c'est pas elle. Ah si, c'est elle. Ah non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un ticket? Putain, mais c'est pas vrai ça! Allô? Oui? Vous savez que j'enregistre une vidéo là, que vous me dérangez? J'enregistre une vidéo là, je suis en direct. Bon, je raccroche, hein. Au revoir. Pas vrai ça! Bon, je suis calme, j'ai arrêté de fumer. Mes nouvelles lunettes à 400 euros payées par papa, hein, par les chevaux. Merci les chevaux, voilà des petites lunettes. J'ai dû tout refaire hein, quand ils ont vu mes yeux. Et ça fait un effet de loupe maintenant. Ah ben oui, je vous ai dit que j'ai terminé très fatigué. C'est pas pour rigoler, hein. Je me suis occupé de moi pendant cette semaine, c'est tout ce que j'ai fait. Je suis allé faire mes radios des poumons, j'en sors là. La radio était à 15h15. Poumons normaux. Je vais arrêter de fumer mes petits cigares, je vais revenir gentil, tranquille, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui m'énervent encore, parce que ça ne va pas s'arrêter, ça. Je peux vous dire d'arrêter de m'écrire pour rien, que ça continue. Ça s'arrête pas d'ailleurs, tout le monde, hein. Jusqu'au jour où je vais enlever ma messagerie, les gars, mais vous rendez pas compte que c'est dangereux quand vous m'écrivez un mail? Vous croyez que vous êtes copain, les réunionnais, arrêtez-vous là. Vous savez que je vais vivre à l'île Maurice, peut-être. Enfin, il y a une grosse chance. Je ferai des conférences pour vous. Je vais vous rééduquer hippiquement, là. Attendez 9 mois et j'arrive. Alors arrêtez de m'écrire. Faut repartir à zéro. Mais tous les turfistes, il faut repartir à zéro. Tous. Les qu'à venir chez moi. Hein? Et personne n'est au courant que j'existe. C'est dommage. Hein? Bah oui. Alors j'ai un peu envoyé pour mon retour en manque d'adrénaline, c'est vrai. J'ai joué 139 euros, mais en dépensant zéro. Hein? Tactique PayPal. Je sentais que j'allais récupérer, c'était pas besoin d'aller dépenser des sous avec ma carte bleue au PMU, hein. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais j'aurais mieux fait d'aller au PMU quand j'ai vu le rapport du tiercé, hein. Je touche deux fois le tiercé dans les ordres, j'ai pris en base les cordons et deux. Enfin, j'avais rien inventé, hein. Et j'ai pressenti que les deux favoris n'avaient pas de chance sur ce parcours. Alors c'est vrai que Encampo à 8 contre 1, mort de rire, hein. Il avait la corde 10, et c'est pas un cheval qui va devant, hein. Troisième à Marseille Borély, deuxième à Vichy, c'est des lignes, ça? C'est pas des lignes, ça. Et cette pute d'Alacovia, alors elle, j'aurais dû la ravouter, franchement. Il n'y en a qu'une qu'il fallait pas qu'elle finisse quatrième pour me niquer le quartier, c'est elle. Et affubée de la corde 15, eh ben oui, mais il faut faire des choix. Hein. M'empêche de toucher quelques centaines d'euros supplémentaires. Le tiercé corde 1, 2 et 3. Voilà pourquoi je suis intervenu. C'est ça un expert. Eh ben oui, on intervient quand il faut. Comme au trot, maintenant, j'interviens plus que dans les hippodromes, sur les hippodromes à fort potentiel de gain. Quand tu vois le prono de génie, tu meurs de rire. Bah c'est vrai, hein, tu meurs de rire. Le tiercé pas payé sur PMU.fr, c'est vrai, quand tu vois où il est placé dans le turf aussi et sur génie, oh, ça fait peur. 90 euros cette affaire, mais vous le croyez, vous? Rendez-moi ça. Mais parce que les gens ont joué les cordes. Heureusement qu'il y a des spécialistes qui jouent, hein. Ah oui, tous les poulpes donnent de l'argent aux spécialistes. Rendez-moi ça, oh. Le 4, il est là, oh. Il est donné en 9e. Oh, le 9, il est donné en 7e. Pas déconner, il n'y a qu'artificier, il y avait tout le pognon sur le 16. Hein. Tu regardais les cotes et tu voyais tout de suite ça. Encampo, ça n'avait pas de chance pour moi. Et Goderville, vous lisez ces notus là. Toujours dernier, toujours dernier, toujours dernier, toujours dernier. Quand tu vois toujours dernier, toujours dernier, toujours dernier sur les parcours coulants, tu rayes tout de suite. Voilà. D'ailleurs, quand ils ont mis Equidia, le jockey du 13 a dit, ouais, je pense pas que ce soit un parcours pour lui. 6 ou 7 contre 1. Hein. Oh, tu vois, les centaines de milliers d'euros joués sur des chevaux qui n'ont pas de chance, c'est fabuleux. Hein. Bon, passons au concret. Le tiercé pas payé, hein, il n'y avait qu'à mettre du couplet 9-16, voilà, quand tu vises trop. C'est vrai que j'avais mis 100 euros placés du couplet, je prenais 1500 euros. Ah, mais quand tu veux pas gagner, tu veux pas gagner. Mais moi, j'ai pas envie de gagner. Hein. Je me moque des gens qui veulent pas gagner, mais moi qui veux partir, je veux pas gagner. Hein. Allez, alors j'ai fait 9-16 avec les 8 chevaux par 2 euros, je l'ai fait. J'ai pas mis le 3 parce que je l'ai fait par 5 euros. C'est mon seul ticket perdant, c'est 9, 16, 3 par 5 euros. Hein. Je l'ai carrément mis en CC, mais j'ai fait 9, 16 avec mes 8 autres chevaux, je l'ai fait par 2 euros. Voilà. C'était mon plus beau gain de la journée, 186. Si je l'avais fait au PMU, j'aurais pris 248 ou pratiquement 250 euros. Alors j'ai fait les 8 à la corde au quartier. J'ai joué 45, j'ai encaissé 66. Donc je suis bénéficiaire au tiercé. Je suis bénéficiaire au quartier. J'ai fait les 8 à la corde au quinté aussi.
33 €, tout ça, ça dégage des bénéfices alors que j'ai pas le quatrième. Hein. J'ai fait le 3 plus aussi que j'ai indiqué, hein, avec mes sous-bases, voilà, 28 €. Il est bénéficiaire aussi. Voilà, là c'est là que j'aurais de ne pas avoir mis le 12. Hein. Oh là là, ça aurait fait des centaines d'euros en plus avec des bonus à 54. J'avais fait un champ complet aussi des 3 chevaux que je voyais le plus. Mais je voyais rien d'autre en plus, hein. C'est ça le pire. Hein. J'avais aucun. Il n'y avait que le 10 un peu et encore le 10, je sentais plus rien. Je sentais que 9-16. Mais là, j'en ai pas profité. Hein. Bah, ouais, j'en ai pas profité. Bah, en fait, tous mes tickets sont gagnants. Donc, voilà. Donc, mise totale 139 €, gain 359, bénéfice 220, tout ça par PayPal, donc dépense 0 €. Oui, je n'ai rien dépensé. Ah oui, il fallait rattraper mes sous, mais je sentais bien le coup, moi. J'ai attendu hein, jusqu'à 13h30, non partant. S'il y avait une non partant, j'aurais ajouté à la Covia. Aïe, 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 aïe. Et Morgan qui m'a suivi, hein, regardez-moi ça, il avait le tiercé en 3. Morgan, tu aurais pu le faire en CC, hein, ou même le faire plusieurs fois. Et regardez, il a joué 5 chevaux, hein, il a touché. 16-9-4. Fabuleux, hein, les parcours coulants. Pourtant, j'ai fait un titré hier soir pour faire venir les gens. Hein. J'avais titré. Hein, plus lundi, parce que j'avais dit à la dernière vidéo que j'aurais pas de pronostic le lundi et le mardi. Bon, le mardi, il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas d'hippodrome vert demain. Plus lundi, parcours coulant. Normalement, tout le monde aurait dû venir, se réabonner, tout ça. Non, non, mais ça n'intéresse personne. Hein. Pourtant, quand je marque parcours coulant, ça veut dire jackpot. Hein. Non, non, ça n'intéresse personne. Mais en fait, gros, commence pas à dire que ça n'intéresse personne. Tu l'as déjà dit 100 millions de fois. Bon, maintenant, tu sais. Hein, tu sais la vérité au bout de 6 ans. C'est bon, stop. Tu fais ton boulot. Hein, tu fais pas trop de commentaires. On va essayer de simplifier. Des commentaires, j'en ferai plus le samedi et le dimanche. Je vais arrêter. Hein, parce que vous savez ce qui se passe le samedi et le dimanche. Il y a une tsunami de... Ben, je vais pas répéter. Hein, vous le savez. Donc là, il n'y a plus rien à commenter. C'est une histoire d'onde après le samedi et le dimanche. Voilà, en tout cas, j'étais content parce que je suis rentré. Une rentrée gagnante. Voilà, je vais titrer ça. Une rentrée gagnante, trois tiercés dans l'ordre, puisque trois tiercés des ordres, puisque je l'ai deux fois moi, et Morgan, il a une fois. Voilà, c'était juste pour vous expliquer que sur les parcours coulants, on pouvait gagner un peu des sous. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.